Bon matin! On s'en va voir si Alexandra fait du diabète de grossesse. Il est 8h presque, puis on rentre à la clinique OVO. Fait que... À 8h15 hier soir, arrêtez de manger. Ouais, ça fait 12h que je mange. Elle a pas trouvé ça facile quand vous voyez manger des chips. Ouais. À 9h. Fait que on rentre là. De la clinique OVO et puis ben là je suis pas maquillée comme vous pouvez voir parce que je m'en vais à la clinique d'essai aujourd'hui chez Sarah Donia. Mon chum est en train de se faire couper les cheveux chez un barber à côté de la clinique OVO. Puis c'est ça, j'ai un pansement. Puis ici aussi on le voit pas là, mais elle me l'a enlevé, mais j'ai eu trois pots de sang dans ce bras là. Puis un pot de sang dans ce bras-là. Par la suite, il a fallu que je cale le jus sucré. C'est comme ça goûte le orange croche, mais sans pétillant. Fait que c'est ça que j'ai pris. Puis j'étais à jeun pendant 12 heures. Donc, il fallait que je le prenne en 5 minutes, mais je l'ai quand même bien calé. Par la suite, ben là, j'avais pas envie tout de suite d'aller aux toilettes, mais il fallait que je remplisse deux pots d'urine. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai été aux toilettes comme 30 minutes plus tard. Puis, dans le fond, une heure après, il fallait que je reprenne une prise de sang. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, j'ai fait ma routine 2 et mes tests de glucose là, à la clinique OVO. Fait qu'il va juste me rester l'échographie 3 à faire à la clinique OVO. Puis, je vois mon docteur vers la mi-août. Fait que mi-fin août, là. Fait que c'est ça. Là, je suis dans un café. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé. Fait que je vais manger mon bagel déjeuner pendant que mon chum se fait couper les cheveux. J'ai vraiment faim. Vraiment, vraiment faim. Allô tout le monde! Aujourd'hui est un autre jour! J'ai même pas filmé mon facial chez Sarah Donia. C'était vraiment le fun, ça l'a fait du bien. Puis elle a des produits pour femmes enceintes, fait que c'est vraiment nice. Par la suite, on est allé camper, puis je suis tellement pas bonne pour vlogger, sérieusement. Là. Dans le temps, là, j'étais vraiment meilleure, mais là, on dirait que je vois tellement pas grand monde en ce moment. Que aussitôt que je vois quelqu'un, ben un de mes proches, ça me tente de vraiment passer mon 100% avec eux, puis je vlogue pas. J'ai oublié de vlogger. Fait que c'est ça qui est arrivé. On a passé la fin de semaine à camper, cette fin de semaine-là. Là, on est rendu à une autre semaine. Puis je vous avais dit que j'avais un rendez-vous avec ma docteure. Puis finalement, c'est ça, je l'ai eu, mon rendez-vous. Elle m'a dit mes résultats, puis je suis vraiment, vraiment contente parce qu'elle m'a dit que j'étais à quelque chose comme 4.4 sans mon jus de glucose. Puis une fois que le jus, ça faisait une heure qu'il était en dedans de moi, j'étais à 5.6. Puis il faut que tu aies plus que 10 points quelques pour avoir du diabète. Fait qu'elle m'a dit que j'étais vraiment loin de faire du diabète. Je suis vraiment contente parce que, ben là, enceinte, c'est drôle parce que je suis vraiment plus salée, mais dans la vie de tous les jours, là, quand je suis enceinte, je suis vraiment très une bibitte à sucre. Puis j'ai comme, je sais pas, tu sais, j'avais comme une petite peur d'avoir ça, le diabète de grossesse, parce que ben j'ai jamais fait checker ça en fait là. Mais parce que je suis vraiment quelqu'un de sucré à l'habitude, quoi qu'enceinte, pas vraiment, mais c'est arrivé pendant que j'étais enceinte que Yannick et moi, on allait au Choco-Fave pas mal de soirs par semaine. Là, on a arrêté, mais il y a un bout là que c'était vraiment intense. Fait que je me suis dit « Oh my God, check bien ça! » Finalement, tout est beau. Je fais pas d'anémie, ma routine 2 est super belle, mes prises de sang sont super belles. Fait que je suis vraiment contente. Tout est beau, toute ma grossesse va bien jusqu'à maintenant.
Fait que c'est ça qui est ça. C'est ça que j'ai reçu comme résultat. Donc, je suis vraiment contente. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. On est encore en train d'attendre pour les comptoirs et les portes. Les comptoirs, ça devrait se faire soit à la fin de la semaine, cette semaine, ou en début de semaine prochaine. Donc, on va voir. Puis, pour ce qui est des armoires, ça va se faire à la fin août. Donc, d'après moi, là, début mi-septembre, ça devrait être tout près de notre cuisine. Fait que j'ai vraiment hâte. Donc, on va se voir dans un prochain vlog. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme prochain vlog. Mais, la semaine prochaine, c'est le dévoilement des candidats d'OD. Puis, je vais sûrement apporter ma caméra. Même si je sais que je vais sûrement oublier de filmer. Fait que c'est ça. Mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire, puis je vais y répondre. J'aime ça vous lire. Donc sur ce, passez une belle journée, puis je vous aime fort. Bye!